Alors, les problématiques sont émergentes. Pour l'instant, celle qui est la plus manifeste est liée à la maîtrise par l'entreprise ou les entreprises de leur image, puisqu'elle est exposée sur les réseaux sociaux et elle peut être abîmée, altérée par des salariés individuellement ou collectivement. Et une jurisprudence est déjà en train de se développer sur cette question de savoir ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas en termes de liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Une autre problématique, il y en a beaucoup, est la des créations spontanées de communautés de salariés qui utilisent les réseaux sociaux afin de porter des revendications catégorielles sans passer par le vecteur traditionnel des représentants élus ou syndicaux de l'entreprise et qui constituent ainsi une sorte de paradialogue social qui aujourd'hui est véritablement problématique pour les entreprises et pour la représentation élue et syndicale de l'entreprise que d'être ainsi contourné par la voie des réseaux sociaux.